De la maison de notre Dieu et que nous puissions le servir, que nous puissions réellement être utiles dans sa maison, parce qu'il est dit, c'est lui qui se garde pur, est un vase d'honneur dans la maison du Seigneur. Mais lorsque nous nous laissons emporter par la souillure du monde, l'imperfection et l'impureté de ce monde, nous ne serons que des vases vils. Oui, tu vas prier et demander miséricorde, demander la grâce et la compassion de notre Dieu afin que tu puisses réellement te relever là où il y a une défaillance pour pouvoir servir le Seigneur dans la sainteté et la perfection. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous venons auprès de toi, reconnaissant la nature faible de la chair, reconnaissant la nature corruptible réellement de cette chair que nous portons, ces envies et ces désirs qui sont opposés réellement aux désirs et aux envies de l'esprit. Oui, Seigneur notre Dieu, nous prions parce que d'une manière ou d'une autre, nous branchons, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous afin que nous puissions véritablement, ô Dieu, bénéficier de ta miséricorde et de tes compassions, Seigneur. Que nous puissions nous relever, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, marcher réellement en élevant ton nom, en glorifiant ta parole. Élevant et glorifiant l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha, Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, nous revenons à toi, car nous savons que là où nous sommes faibles, tu nous fortifies. Là où nous sommes tombés, tu nous relèves, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous la capacité de nous détacher des œuvres des ténèbres. Donne-nous la capacité de pouvoir réellement choisir,
ce qui est bien, de pouvoir réellement, ô Dieu, rendre un culte agréable, Seigneur. En ton nom, Seigneur notre Dieu, dans la vie que nous menons dans nos corps, que nous puissions vraiment les offrir comme un sacrifice de bonne odeur. Seigneur notre Dieu, élève-toi, glorifie-toi, toi qui règne dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici.
Notre manière d'être puisse réellement élever le nom de celui qui est Dieu, celui qui est au-dessus de toute chose, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances. Dieu qui dit et la chose arrive, c'est lui le Dieu de l'impossibilité. Voilà pourquoi tu vas prier pour que réellement tu sois le juif, réellement le vrai, celui dont le cœur est circoncis, la louange même de Dieu. Afin que lorsque les gens te voient, glorifie le Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi parce que nous savons une chose, que tu as au travers l'œuvre de la croix circoncis chacun de nous, afin que nous puissions nous débarrasser réellement des désirs de la chair, que nous puissions nous débarrasser réellement de tout ce qui n'élève pas ton nom. Voilà pourquoi Seigneur, nous nous confions en toi Seigneur. Nous prions pour que réellement tu puisses faire de nous réellement les véritables fils, dont réellement la louange ne vient pas des hommes, mais de toi. Que nous puissions réellement être un sujet
de gloire et de louange pour toi, Seigneur. Notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de parler, Seigneur, puisse élever ton nom, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons véritablement, Seigneur, que les hommes qui nous lisent, qui nous voient, puissent réellement élever le nom de toi, le nom que tu portes, le nom que tu nous as fait porter aussi, afin que la gloire revienne à toi, Seigneur. Oui, nous voulons réellement, Seigneur, notre Dieu, accomplir réellement ce qui est juste, ce qui est réellement correct, pour que ton nom soit élevé, élevé dans nos vies, élevé dans nos foyers, élevé au milieu du travail, au milieu des amis, au milieu réellement des familles élargies. Nous voulons véritablement être une lumière dans ce monde des ténèbres, pour la gloire de ton nom, nous te prions, au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus.
Ceux qui sont dans les problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui sont réellement dans les troubles, que le Seigneur puisse t'utiliser, que le Seigneur puisse se glorifier en toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci réellement de faire de nous tes enfants, tes serviteurs, tes servantes. Nous nous confions en toi, Seigneur, pour que l'Éternel, au travers réellement nos canaux, que nous puissions donner réellement la parole à ceux qui en ont besoin, la vie à ceux qui en ont besoin, réellement la justice à ceux qui en ont besoin, la droiture, la sainteté, la perfection, parce que tu es le véritable Dieu. Voilà pourquoi, Éternel, notre Dieu, nous nous confions à toi, Seigneur, pour que nous soyons des instruments qui puissent réellement élever ton nom, des instruments qui puissent glorifier ta parole, des instruments qui puissent réellement apporter la paix, la joie, apporter la guérison, apporter réellement, Seigneur notre Dieu, le soutien là où tout le monde en a besoin. Merci, Seigneur. Yahweh,
Parole et la solution à nos problèmes.
parole qui nous réconforte, la parole qui nous guérit, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous vivifie, pour la gloire de ton nom Jésus. Oui, que la paix, l'amour, le bonheur nous soient accordés au travers de ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, toi qui y règnes dans les siècles du ciel. Amen.